Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler de deux choses. D'un gâteau, d'un petit cupcake que j'ai fait. Je suis partie comme la recette, grosso modo, format cupcake, un insert en pâte de chémeya. Un glaçage berriguta ou fouca barcha fekia. Donc, le moukaounet, que ce soit khobz dra, le chameya, le gouta ou le fekia, il te ou mlih ma ba'dhom. Bien sûr, relevé d'un peu d'eau de fleur. D'oranger. Yatina un gâter. Un gâter. Un dessert, un gâteau et un dessert. Mie belmie tounsi ou mie belmie benna, vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'adore le faire en tout cas en haka pour le thé ou à la haja haka quand je. Reçois des gens, c'est génial. Enfin, maintenant je reçois plus personne. Et je voulais vous parler justement de ce que je fais au Ortelino sur le BTMTI, c'est lire. Aujourd'hui, le livre dont je vous parle, c'est La maîtrise de l'amour, c'est l'art des relations. Je vous le conseille. Moi, lire. Aujourd'hui, le livre dont je vous parle, c'est La maîtrise de l'amour, c'est l'art des relations. Je vous le conseille. Moi, je vis vraiment en bacha. Ça vous apporte de la sagesse, ça vous apporte de la logique des relations. En fait, il fait ça qui fait quand. On est dans une relation de manière générale et amoureuse en particulier, on fait beaucoup d'erreurs. Erreur numéro un, c'est qu'on va faire dépendre de notre amour de cette personne-là, dépendre notre bonheur de cette personne-là plutôt. Or, cette personne n'est pas dans notre tête. Elle n'a pas notre vie. Elle n'a pas eu notre vécu. Donc forcément, inévitablement, tôt ou tard, on va être frustré. A contrario, il nous explique qu'il fait le vrai amour, c'est l'amour inconditionnel. C'est aimer même les défauts de l'autre. Mais les aimer vraiment parce qu'ils sont différents. À la khatre, ils nous enrichissent. Pourquoi est-ce qu'on va essayer tout le temps d'essayer de changer l'autre ou de changer pour que l'autre soit dans le moule interne en fait, alors que c'est pas ça l'amour en fait. Ça c'est parce qu'on a peur que l'autre soit différent et donc parce qu'on a peur qu'il parte, mais en fait il partira alors que là, si tu l'aimes profondément, sincèrement, sans le posséder, le je suis à toi n'est pas bon en fait. C'est quelque chose qui est pervers à la limite de dire de posséder quelqu'un. En fait, tout ce qu'on peut faire à quelqu'un, c'est lui donner notre amour. Et entre nous, et c'est ce qui explique. Le livre, c'est le fait que l'amour qui va te rendre heureux, pas forcément le fait de recevoir mais l'amour pour cette personne et ensuite tu vas l'exprimer et c'est ce qui va nous rendre heureux et c'est ce qu'on doit faire aux gens quand même, en les acceptant comme ils sont et en attendant rien du tout d'eux. Bon, je résume globalement le livre. C'est beaucoup plus profond que ça. Il nous parle bien sûr de nos blessures. Il dit que grosso modo, d'ailleurs le chapitre 1, c'est la cuisine de l'amour.
L'amour, que grosso modo, l'amour, c'est une cuisine qu'il ne faut pas qu'on cherche à donc transformer l'autre, et que grosso modo, Yatine a des outils comme l'acceptation, comment l'accepter l'autre, comment pardonner, des choses comme ça. En tout cas, je vous le conseille. Écoute, Dralitina Shendina Fnac, donc trois fois.